Banks les gens, c'est QS Banks. Mais quoi les gars, tranquille le bilou. Alors moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 4 pour le Drift Fury King numéro 4. Alors là, faut savoir qu'il y a 6 participants. C'est le dernier épisode du Drift Fury Kings, la saison 1. Il faut savoir que pour la saison 1, il y a 4 saisons. Ça s'est passé sur 4 semaines. Donc voilà, là c'est la dernière saison, saison d'automne. Ce soir, il y a le Drift Fury King qui reprend la saison 2 sur un autre endroit. Alors ça sera pas les courses en miroir. En tout cas pas pour cet épisode là. Merci aux participants, aux habitués, etc. Voilà, tout simplement. Alors pour le dernier épisode, je vous invite les gars à vous noter les manches dans les commentaires et à dire qui est le gagnant. Alors moi je vais le faire avec vous pour les manches là. Mais vraiment au niveau des participants, comment ça s'est passé, pour moi ça a été compliqué de noter. Tout comme ça a été compliqué de filmer. Voilà, comme tu vas pouvoir le voir. Donc voilà. Bon, faut savoir que c'est un gameplay drone, tout comme vous faites du gameplay drift. Alors, je suis meilleur drifter que droneur, mais on voit très bien ce qui se passe. Donc, voilà, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, et bien vous le dites. Mais tout simplement, mon système de points va se baser sur celui qui frôle le plus les lignes jaunes et roses sur le bord de la map là que tu vois tout de suite. Le leader s'il garde son lead. Le leader s'il perd son lead, il faut savoir qu'il sera rétrogradé au-delà de la troisième place. S'il y a une déconnexion, il y a disqualification de la manche. S'il y a changement de véhicule, disqualification de la manche, tout simplement. Voilà. Donc là, tu vas voir pourquoi je dis ça. La première manche a été compliquée, elle s'est terminée à 4. Donc tout simplement, on va pas se casser la tête. J'ai tenu à montrer vraiment la soirée, comment elle s'est passée. Il faut savoir qu'elle a été très compliquée encore une fois celle-ci. Alors le mois c'est terminé, soirée compliquée comme ça. Là ce soir il y a encore un épisode, ça va être carré. Le chemin est très technique pour ce soir. Donc voilà, on va changer tout ça. Donc c'est parti, c'est pas grave, saison 1, faut s'améliorer, on est là pour ça. Là le lead est fait par Hurricane, suivi de Fumax, Earl Race. Alors que Udish a une déconnexion, donc Udish est disqualifié de la manche. Là la manche est fait à 5 et va se terminer entre guillemets à 4. Voilà. Parce qu'entre guillemets Moumoumat change de véhicule, donc on va appeler ça pas de moteur. Voilà, pour rester carré, mais en gros il a voulu changer de véhicule. T'es disqualifié mon gros. Donc en gros, 6ème déjà tu peux dire pour cette manche Udish pour la déconnexion. Je suis désolé mon gars. 5ème Moumoumat et ensuite le reste. Donc voilà. Savoir qu'avec le drone je me focalise à la fin du peloton. Le leader doit garder son lead, donc pour moi s'il reste devant, bien devant, c'est qu'il a réussi sa manche, forcément il est censé la gagner. Voilà, tout simplement. Donc là le leader Hurricane est toujours devant, bien devant même. Donc pour moi déjà, je sais déjà qu'Hurricane gagne sa manche. Fumax toujours là, même s'il n'a pas mis la pression au leader. Earl Race en troisième position tranquille, qui étend bien son drift. On va voir si les participants frôlent bien la ligne jaune là en bord de. Voilà, ici comme tu peux voir, ça peut gagner des points. Voilà, Hurricane premier, deuxième Fumax, troisième Earl Race, quatrième Billy, cinquième Moumoumat, sixième Udish. Désolé Udish. Voilà. Cinquième manche. Alors les gars, moi je commente les manches, donc comme vous, comme moi, faites comme moi, regardez plusieurs fois les manches et commentez-les. Là le lead c'est fait par Fumax, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, suivi de Earl Race, Moumoumat qui est dans la Miata blanche, maintenant il a changé de voiture, Billy, Hurricane et Udish. Donc là on va rester un peu en fin de peloton, premier virage, très joli, ça frôle, Udish qui prend large, pour moi Udish là qui le prend mieux que les autres. À l'arrière du poteau, Hurricane qui perd un peu le drift, c'est pas tip top. Voilà, il met la pression à Billy propre mais un peu lent. D'ailleurs, tu devrais augmenter un peu la puissance de l'ABM, petit conseil, mais propre. On va repasser à l'avant. Moumoumat qui reste propre aussi. Et on reste qui freine un petit peu trop, mais qui colle Fumax. Hop, là, virage un peu, on va dire, en bataille, voilà, on va dire virage au coude à coude entre les participants. On va voir qui étend bien le virage, Hurricane qui étend, Billy aussi, Udish aussi, donc c'est propre à l'arrière. Mais bon, ça prend pas de risque pour Udish, même si c'est très joli d'ailleurs, voilà. Hurricane aussi, Udish était très joli là tout de suite contre la barrière. On va voir qui étend bien le drift. Billy qui...
qui perd un peu le contrôle. Là on teste la barre anti-roulis ici avec le petit virage. On va voir qui frôle un peu. Ah, ça frôle pas, mais Fumax qui reste premier, deuxième en race, troisième Moumat, quatrième Hurricane, cinquième je mettrai Eddie, sixième Billy, tout simplement. Alors là manche 4, si vous n'êtes pas d'accord les gars, comme d'habitude, commentaire. Voilà, c'est pas parce que vous perdez cette fois là que la prochaine fois vous n'allez pas le gagner, prenez ça à la cool. Voilà, petit à petit on va faire ça carré un peu plus, mais restez cool. Donc là, Loïc s'est fait par Eudish, suivi d'Hurricane, beau tandem devant. D'ailleurs, Eudish m'en veut, Hurricane m'en veut un petit peu parce que j'ai pas filmé beaucoup leur tandem, mais bon, si vous êtes devant les gars, c'est que ça se passe bien. Billy et Moumou, moi, j'ai du mal à le dire, sont toujours là. À l'arrière du peloton, Fumax, qui perd un peu de vitesse, mais qui prend de l'angle. Sympa, regardez comment ça étend le drift. Ouais, sympa. Alors, est-ce qu'il zigzague un petit peu? Billy qui ralentit tout le monde, donc Billy ça a vraiment un gros défaut, il faudrait que tu règles un peu mieux ta voiture. Hurricane qui prend de l'angle, Eudish qui frôle la ligne jaune, c'est bien mon gars. Sortie de route pour Billy, là Moumou Mat qui passe. Voilà, en vrai c'est Fumax, Eric ils ont la même voiture, hop. Ouh, bel angle pour Billy, bel angle. Bel angle pour Race, Fumax qui passe devant Race. Ah, ça fait pas entre Fumax et Race, alors que c'est deux amis, hein, les gars. On repasse devant. Eudish a perdu son lead. Hurricane est passé devant. Donc, Eudish, forcément, pour moi, t'es troisième. S'il ne sera pas un deuxième, tu perds ton lead. Donc, forcément, tu restes gradé à la troisième place. Alors, premier, Hurricane. Deuxième, Moumat. Troisième, Eudish. Quatrième, pour moi, ça va être Race. Cinquième, Billy. Sixième Fumax, voilà tout simplement. Manche 3, le lead s'est fait par Billy dans la voiture jaune, suivi de Earl Race, Moumou Mat, Fumax, Hurricane et Eudish. Alors c'est bien que ceux qui étaient devant passent derrière, comme tu peux le voir. Alors là, la manche, tu vas voir qu'elle est un peu mieux filmée. Ouais, alors, désolé les gars, je me répète, c'est du gameplay drone, c'est pas un montage vidéo, c'est du gameplay drone. Je peux faire des montages, il y en a sur ma chaîne. D'ailleurs, ceux qui connaissent pas, abonnez-vous et regardez. Très belle angle par Hurricane, même si là, j'aime pas comment tu prends ton virage là, c'est pas top. Alors, Moumou Mat, dans sa petite voiture blanche, je dirais, hein, mais il est là. Eddie met la pression un peu à l'arrière, il frôle les barrières, très joli. Devant Earl Race qui reste. Il reste propre, regardez ça, il pousse Billy, un très beau tandem. Ah, belle manche au drone, belle manche pour tout le monde. Un peu moins donc pour Eddie là ici. Eddie, t'aime bien drifter à la dernière position, mais le souci c'est qu'il faut que tu prennes plus de risques et que tu essaies de mettre plus de pression aux gens, tu vois. Alors quand t'es deuxième, t'es collé au premier, ça passe, mais à l'arrière là, en gros, je peux pas te mettre, tu vois, je peux pas te classer. Faut pas dire oh là t'as été chaud sur la manche, tu vois, alors qu'un Earl Race tout le temps il prend des risques, tu vois. Donc là c'est parti, tout le monde a bien drifté, donc ça va être comme le classement de départ. Les points vont aller pour Billy, il a gardé son lead. On va voir là s'il frôle un peu la ligne jaune. Il frôle la ligne jaune. Billy, Earl Race, celui de Fumax, Hurricane, Eudish et à la dernière position Moumou Mat, tout simplement comme l'ordre d'arrivée. Voilà, manche 2. Le lead il se fait par Moumou Mat dans la petite Miata blanche là. Alors c'est original. D'ailleurs les gars, si vous swappez des véhicules, moi ça m'intéresse. Ou si vous avez des réglages à partager, faites-le. Alors tête à queue de Billy, tête à queue de Race. Ouh là là, alors, déjà les deux là. Ils sont en 5e et 6e position. Eudish qui prend beaucoup d'angle. Hurricane pareil. Alors, très joli les gars. Très 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 joli. Eudish toujours dans tous les Drift Fury, gros t'es propre. Hurricane dans tous les Drift Fury pareil. Ah, il commence à avoir des habitués, j'aime bien Earl Race toujours dans les Drift Fury, gros, t'es le foufou, le casse-cou, et moi j'aime bien, d'ailleurs dans le numéro 3, t'étais mon drifter préféré, même si t'as perdu, tu vois. Même si t'as pas fini premier, quoi. Alors, dans la Miata, il reste premier, gros tandem entre Fumax et Hurricane, Eudish qui frôle la ligne jaune, Earl Race un peu moins propre, là, ça drifte moins. Petite vue ras des pare-chocs, alors qui étend le drift.
Ah là, ça fait les barrières. Hein. Alors le tracé, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, les gars. Le tracé, pour moi, il était très très lourd et technique. Celui-là de ce soir, il y va être très très dur. D'ailleurs, il y a Eudish ce soir. Il n'y a pas tout le monde, mais il y a d'autres participants, tant mieux. Nouvelle saison, nouveaux participants. Donc là, c'est propre. Alors je mettrai pour l'instant la manche mais au leader. Moumoumat, suivi de Hurricane parce qu'il a poussé Fumax toute la manche, mon gars, et il y passe devant la fin. Troisième position Fumax, quatrième position Eudish et Earl Race à la fin. En cinquième position, par exemple. En sixième position, le dernier, Billy. Ah, Billy, mon gars, toi, t'es au volant, c'est pour ça, c'est plus compliqué. On t'en veut pas, mon gars, c'est pas grave. C'est la première participation. Ce soir, normalement, tu participes aussi. Donc, on t'en veut pas, mon gars, t'en auras d'autres, ça ira. Alors là, la manche va se faire par Earl Race. Le lead, pardon, Earl Race voiture verte, suivi de son poteau Fumax. Très beau virage, un peu mou, mais bon, Billy qui prend de l'angle avec Hurricane. Billy qui doit avoir mal au bras au bout de la fin de soirée, les gars. Moumoumat, dernière position qui a une voiture plutôt bien réglée. Pour moi, elle était constante toute la soirée. Donc, voilà, je vous invite à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de chacun. Voilà, participant par participant. Alors pourquoi je laisse les gamer tags à chaque fois au début? C'est pour voilà, pour voir qui fait ça là. Billy tête à queue tout de suite là. Le disque qui prend beaucoup d'angle mais qui est très lent sur la manche. Hurricane qui est toujours là, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse Fumax, Airways, Eudish sort un peu des bandes. Là la manche elle est moins propre pour Eudish. Ah ça prend de l'angle, ça prend de l'angle. Devant il y a Hurricane qui pousse tout le monde. Ah c'est propre. Hurricane pour moi là, pour l'instant c'est peut-être pas le vainqueur de la manche parce que le leader qui est resté leader. Mais pour moi t'es en deuxième position encore une fois là pour l'instant. Voilà, regardez-moi ça, de l'angle. La Miata qui est toujours là, hein. Pareil, la Miata elle n'a pas fait un tête à queue, c'est propre, un Moumoumat très propre. Alvarez qui garde son lead, première position, deuxième position Hurricane, troisième Fumax, quatrième Eudish, cinquième Moumoumat, sixième Billy. Alors pour moi le vainqueur c'est Hurricane avec 14 points, suivi de Earl Race avec 17 points, Fumax en 3ème position avec 18 points, ensuite Moumoumat avec 22 points, Eudish 27 points et en dernière position Billy. Donc voilà, donc bravo à toi Hurricane, t'as un RS4, le RS4 que tu vois à l'écran à récupérer. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi les gars, je vous invite à faire comme moi, à noter chaque manche, à noter qui est le vainqueur de chaque manche, etc. En sachant que le premier c'est 1, le deuxième c'est 2, etc. jusqu'à 6. Et vous additionnez les nombres de chaque manche et le nombre à la fin qui sera le inférieur à tous les autres est le vainqueur du Drift Fury. Donc faites pareil et dites-moi qui est pour vous le vainqueur du Drift Fury. Tout simplement. Donc merci aux participants, Eudish, Moumoumat, Billy, Urres, Fumax et Hurricane. Alors j'espère que les perdants le prennent pas mal. D'ailleurs voilà, regarde, pour une fois Eudish est arrivé là par exemple avant dernier, alors que dans celui-là d'avant il est arrivé deuxième. Donc voilà, donc vous cassez pas la tête, ça arrive. Il y a une déconnexion, etc. Donc merci aux nouveaux participants, merci à tous les participants. On se capte plus tard les gars, on se tire dessus. Ce soir c'est le Drift Fury King saison 2. Sur un nouveau tracé, les plans de caméra seront bien mieux, les règles, petit à petit, je vais faire une vidéo d'ailleurs avec les règles exactes du Drift Fury Kings. Voilà, c'est pas les Drift War, etc. C'est les Drift Fury Kings. On se capte plus tard. Thanks les gens.